Ah ouais, tu as des -so, mais tu dis que tu n'aimes pas la viande du porc. Et envoyez, envoyez, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ça va sortir comme ça va sortir. Ouais. On vient entendu que certains lavent les mains. Vous allez même laver les pieds. Vous allez laver les fesses. Les mains sont petites. Ou c'est maintenant que vous commencez à laver les mains. Depuis que l'OMS dit ça, vous n'avez pas entendu. Diga, dis, 17 heures la durée. Cap sec. Il dit que les gars sont là. C'est ça la famille. Et que je commande. Chibi, tu sors. tu Ça va faire. Chibi, tu sors. Parce qu'on va parler de cette histoire. Je crois que c'est trop facile ici dans ce camé. Tout le monde doit se lever, aller intimider qui veut, comme il veut. Mais de mon frère, c'est pas la magie, ça. Hein Dans le king, tu en poses. La résistance est là. Toute la résistance est là. On va leur dire ça. On n'est pas dans les machins, là. Hein? On n'est pas dans les machins, là. Vous croyez que l'enfant, c'est le jouet vous croyez que l'enfant, c'est la chaussure Vous croyez que c'est le manioc que vous achetez au marché Hé, hey, arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. DJ soirée dans la place, je te vois, DJ soirée, On va leur dire ça ici aujourd'hui. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. ils veulent signaler le direct. Ils ne veulent pas que je parle. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Ils ne veulent pas que je dise ce que le Père m'a dit. On va connaître ce que vous faites aux enfants des gens. On va connaître. Où tu sors d'où On ne le connaît pas. Avec tes manières féminines, là. Hey, 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 tu es malade. On va connaître ce que vous faites aux enfants des gens, là. Ce n'est pas la magie, ça. Ce n'est pas la magie, ça. Connectez-vous, hein. On n'est pas encore bien monté. On va, on va parler. On parler cette histoire. Mais, c'est facile, hein C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Oui, la résistance est là. Envoyez le cœur. Il voit que l'indépendance, il a signé le direct ici, là. Vous, pourquoi ils veulent m'empêcher de parler Vous voulez m'empêcher de parler Pourquoi Vous empêchez le père d'un enfant de s'exprimer Pourquoi Hein? Vous leur faites le chantage. Comme il est au village, c'est que ce n'est plus un être humain. Comme il est au village, il n'est plus un être humain. Il n'a plus de cerveau. Il ne peut plus dire non. Vous ne pouvez pas sacrifier l'enfant là. Moi, je vous dis ça. Quand vous entendez là, vous n'allez rien faire à l'enfant là. Bande de sorciers. Vous êtes vous êtes me parler puis le matin, vous parlez, vous croyez que ça me fait quoi On va parler, c'est mon travail. On va parler comme ça même un mois. Vous voulez choquer, on va choquer. Maintenant c'est maintenant, ho hein? Maintenant c'est ho On hein? a que les affaires sérieuses, on ne parle plus des bordels ici. Hein? On parle des affaires sérieuses, on parle de la vie d'un enfant. Vous ne me parlez plus des bordels ici là. Si vous n'avez pas les questions, vous quittez sur le direct ici. Si vous n'avez pas les vraies questions, vous quittez. Vous prenez vos culs, vous quittez sur le direct ici. C'est la vie d'un enfant qu'on est en train de parler là. Vous croyez que c'est la blague Si vous n'avez pas les enfants, nous on a les enfants, hein. Vous êtes dans quel, vous ne même. Vous prenez les mots des marabouts, des charlatans, des sectaires, vous changez la vie. On t'a dit qu'on va les porte-monnaies magiques ici là. C'est l'enfant de quelqu'un, hein. C'est l'enfant de quelqu'un. Vous même carré. Vous ne damez. Mais on ne vend pas le porte-monnaie magique ici. Donc enlevez-moi les expressions de changer la vie là. Laissez-moi ça. On ne vend pas le porte-monnaie magique ici. Laissez-moi les expressions des bandits de, 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 de secteur là. Ici là, on parle de l'enfant de quelqu'un, de la vie de l'enfant de quelqu'un. On ne prend pas l'enfant de quelqu'un avec la force. On va vous dire ça, on va vous répéter ça, ça va entrer à vos culs, vous allez comprendre. Vous m'aimez même Vous voulez prendre l'enfant de, de quelqu'un avec la force Vous voulez prendre l'enfant de, de quelqu'un avec la force On est dans quel pays là Dans un pays dit que non, laissez mon enfant. Vous dites que vous allez prendre avec la force, sinon vous allez le détruire. L'enfant là vous doit quoi Il vous doit quoi L'enfant là vous a demandé quoi Celui qui écoute le direct là, qui parte là-bas, il me gêne. Qui parte avec son téléphone là-bas, oui. L'enfant de quelqu'un vous doit quoi Le petit là vous a demandé quelque chose Il vous a demandé quelque chose Vous prenez vos rêves, vos hallucinations, vous venez coller sur l'enfant Vous savez ce que c'est que d'être un parent qui élève et éduque un enfant qui a, qui a, qui a, qui a un, handicap, un handicap mental Vous savez ce que c'est Est-ce que vous savez ce que c'est Quelles sont les difficultés qu'un parent au quotidien a avec un enfant qui a, des, qui, a, qui a un handicap mental. Vous savez ce que c'est Vous parlez même de quoi Je demande, hein, vous parlez même de quoi Qu'on doit accepter dans ce pays Qu'on prend un individu, qu'on ne connaît pas s'il a une femme, s'il a un enfant, s'il a une vie, on prend un enfant qui a un, qui a un handicap mental, on peut lui confier. Vous parlez de quoi même qu que, vous, vous êtes même fou Mais, ça c'est la magie. Ils sont en d'entendre de la sorcellerie au Cameroun. La sorcellerie de femme là. Est-ce que quelqu'un dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un L'enfant de quelqu'un qui l'a qu accouché, il a éduqué, il a élevé jusqu'à maintenant. Un gardien dit que j'ai lavé mes mains, il va rater sa vie parce que j'ai lavé mes mains. Hé hey! Donc c'est toi qui vas faire réussir la vie de l'enfant là. Donc c'est toi. Donc l'enfant là qu'on voit là, c'était toi son, son Dieu. Donc c'est soit son Dieu, on ne le savait pas. Hein parce que tu viens avec un chez toi, tu dis que tu as changé la vie de quelqu'un. Il faut te méfier. Hein? Un petit tintin comme ça. Hey, il faut te méfier. Et comme je te parle là, tu comprends bien. Il faut te méfier. Je vais commencer par la genèse de cette histoire. Je vais commencer là où l'histoire s'est commencée Je vais vous raconter. Parce que vous m'entendez parler comme ça là. Depuis que j'ai envoyé l'argent à l'enfant là, je n'ai plus parlé de cette histoire. Je n'avais même plus jamais prononcé le nom du petit là. Mais je vais vous raconter la genèse de ce problème qui est sur la toile aujourd'hui. Ça chauffe tout le monde, écoute. Je vais vous raconter la genèse de ce problème. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Vous allez comprendre que les gens ne sont pas simples dans ce pays. Vous-même, quand vous avez les enfants, nous on a les enfants. Que je ne sais pas si vous qui m'écoutez, qui me regardez aujourd'hui, vous avez les enfants. Mais faites très attention. Les gens sont dangereux dans ce dehors. Faites vos choses là avec les papas qui ont déjà raté leur vie. Faites vos choses là avec les papas qui ont raté leur vie. Mais cet enfant a encore toutes ses chances. Ne jouez pas avec ça. Cet enfant a encore toutes ses chances dans la vie. Son père a tellement souffert, sa mère, pour cet enfant. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec un enfant qui a un handicap mental. C'est tellement difficile. Je sais de quoi je parle. J'ai vu ma tante. Avec un enfant comme ça, c'était difficile. C'est très difficile. On ne peut pas confier ce genre d'enfant à n'importe qui. On ne peut pas confier ce genre d'enfant à n'importe qui. Faites très attention. On parle de la vie d'un enfant. On parle de la position de ses parents. Envoyez les cœurs parce que les PD sont en train de signer le direct. Envoyez les cœurs. Les dépseaux sont en train de signer le direct. Ils ne veulent pas que je parle de cette histoire. Ils ne veulent pas que je parle. Mais je vais parler. Ce n'est pas par hasard que le papa de l'enfant et sa tante, sa nourrice m'ont appelé. Ils n'en peuvent plus. Vous ne pouvez pas prendre de l'enfant et faire de, ce que vous, faire de ça ce que vous voulez. Tu comprends bien ce que je te dis là. Aujourd'hui, tu veux faire la victime. On a attrapé le voleur. Il veut fuir. Il dit qu'il avait ses mains. Le bandit veut fuir. Il dit qu'il avait ses mains. Tu ne vas pas fuir. Tu vas gérer le retour de l'histoire là jusqu'au bout. Et tu vas dire qui t'a envoyé derrière l'enfant là. Parce que vous croyez que vos choses là, vous pouvez manipuler les gens à tort et à travers. Je vais vous raconter la Genèse. Comment toute cette histoire commence. Toute cette histoire a commencé mercredi. Notez bien que cette histoire a commencé mercredi. Après l'interview de, de RFI. Donc le matin, moi j'attends l'interview de RFI. Calmement là le mercredi. Sur l'émission de Juan Gomez. Je finis l'interview de RFI. 15 minutes après, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne comme ça, je vois un numéro inconnu. Moi, je sais que je ne dois à personne. Je ne me repose de rien. Je décroche ce numéro. Quelqu'un me dit allô. Je dis ah oui, allô. Il me dit que c'est Steve Fa. Je dis que ok. Il commence à me menacer. Il passe un ton menaçant. Il me dit les trucs, je ne comprends pas trop. Je lui demande, il parle de quoi Il parle sur un ton menaçant. J'ai le sentiment qu'il a mis le haut-parleur et qu'il avait des gens qui sont en train d'écouter la, la conversation. On parle deux minutes. Je commence à lui répondre. Il est monté sur un ton menaçant. Je monte sur un ton menaçant. Quand il, bavale, il raconte les histoires. Je crois que je ne comprends plus ce qu'il raconte. Je, je raccroche. Je ne peux pas laisser une histoire. Ce jour-là, vous allez vérifier le timing, vous allez vérifier les heures. Je ne fais pas de ça une histoire, je ne parle pas de ça sur Facebook, je ne fais pas un post même sur WhatsApp, rien. Je considère que c'était une erreur, il s'est trompé, il ne savait pas ce qu'il faisait. Au fil de la journée, moi, je suis calme moi chez moi. Vers 15h, mon téléphone sonne. On m'appelle de Bafoussam. On m'appelle de Bafoussam. J'ai dit il y a quoi On me dit que, oh, malheureusement, ça va te parler. C'est le, le papa de tel avec les enfants, la famille, tout le monde est assis, la, la nourrice. Hein? On va te parler d'une situation qui nous dépasse ici. Si tu peux nous venir en aide, parce que vraiment, on ne peut plus. On n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un sur l'enfant-ci. Si. On n'a pas donné de droit à quelqu'un sur l'enfant-ci. Si. Mais quelqu'un est venu ici l'autre jour et dit qu'il veut faire les dons. Maintenant, c'est le chantage qui fait à toute la famille. On ne sait pas ce qu'il veut. Je leur ai dit que j'ai compris. On va, on va parler de ça. Je ne prends même pas ça trop au sérieux. Ils racontent leurs histoires, moi j'écoute ça comme ça, mais je ne prends pas ça au sérieux, je raccroche. Je ne fais ni poste, ni communication, ni bavardage là-dessus, ce n'est pas mon problème. Je me dis que ah, peut-être ils ont eu un souci, un malentendu, ils vont s'arranger, ce n'est pas mon problème. Mais mon frère, il reste là 21h, quelqu'un se lève, il fait un direct, il commence les menaces. Oh Malox, on va te faire ceci. Tu ne peux pas, on est prêt, on te calcule, depuis, on ne peut plus accepter ça dans ce pays. Je connais les gens au placé, on est dans les bureaux, on est dans ma chaîne. Je dis que hey, ce n'est pas la sorcellerie, ça que je suis qu en train de voir. Donc le matin, mercredi matin, quelqu'un m'appelle, il me menace, je dis que non, tu as gagné. Hein? Le soir, il fait le direct, il m'insulte. Je dis toujours que je ne dis rien. Je ne dis rien. Oh, malheur, tu n'es rien. On va te montrer. Oh, nous aussi, là, on est prêts. Nous, on est organisés. Oh, on est dans tel bureau. On va te machiner. Je ne dis rien. Le choc maîtrise. Le choc maîtrise. Et voilà a le soir, j'ai mon direct avec Isaka. Quand j'avais mon type Isaka de tout et de rien, comme on a l'habitude de causer de nos histoires d'alcool, on parle dans le direct. Il me lave. Il me dit, oh, c'est comment le mal, C'est chaud, le type de foncier, machin et tout. On en fait là. Après, quelqu'un lui envoie une question. Que mais, par rapport au direct que, que Steve Fah a fait, il a encore lavé Malox, ma il insulte Malox à tous les niveaux. Il y a, a même quoi Le gars me pose la question. Il répond que père, moi je ne sais pas. Apparemment là, il a un problème parce que là, il paraît que comme on m'a appelé de baffe, hein, ils sont en désaccord sur certains, oui. Sûrement dû au fait qu'il est venu faire le placement produit. Du Yao milo, là-bas, sans aviser la famille. Et je connais comment ça marche. Il a chopé les dos. qui laisse ça, il a mangé l'argent là. Il a mangé l'argent. Je connais comment ça marche. Il a chopé les dos là. Il a chopé les dos et ce n'est pas mon problème. Jusque-là, je dis que non. Le petit là, quand même. S'il faut aider le petit là, aidez-le même, non Vrai, vrai, non, mon frère. Aidez-le à s'en sortir, non Aidez-le en demandant à la personne qui vit avec lui. Il n'y a que la personne qui vit avec un enfant qui a un handicap pareil, qui sait de quoi l'enfant a besoin. Il vit avec lui depuis combien d'années C'est son père, c'est sa mère. Il a des frères autour de lui. Il vit avec eux depuis combien d'années Pour qu'on estime que leur on leur fait des procès d'intention, on estime que leur avis ne compte pas depuis combien d'années Je m'assois le lendemain comme ça ne suffit pas. Les gars déclenchent une cabale. Oh, ils voient les articles. Tu es jaloux. Tu veux montrer quoi Oh, machin et tout. Je vais vous dire un truc. Je ne vois pas en quoi est-ce que moi je peux être jaloux de ce gars. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis que j'avais envoyé les 100 000 aux petits là, des dizaines et des dizaines de gens qui sont dans ce direct, qui sont témoins de cette histoire, sont venus me voir. Inbox. Ils sont venus me voir. Inbox, Qui veulent faire quelque chose pour l'enfant là. J'ai envoyé les enfants, les gens vers sa famille. Dieu seul sait, je n'ai jamais touché 5 francs de quelqu'un. Les gens sont partis là-bas discrètement donner l'argent, aider la famille là. Je n'ai jamais fait un poste où je dis que les gens ont aidé l'enfant. Mais je crois que l'enfant est devenu un business. Et ce n'est pas bon. C'est un enfant et de suis quoi malade Et de suis quoi malade J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de gens vers cette famille. Je n'ai jamais touché cinq francs de cette famille. Je ne me suis jamais prévalu du fait qu'on m'a donné l'argent, on venait me contacter, j'envoyais vers la famille. Non. Ce n'était pas ça mon but. Quand je donnais l'argent à ce petit, c'était que j'attirais l'attention des gens. Mon but était d'attirer l'attention des gens pour qu'on donne quelque chose à la famille là. Faites comme moi. Donner quitter sur ça. Donner quitter sur ça. C'était ça, la vérité. On parle d'un homme qui a un enfant. Un enfant malade. Il éduque son enfant depuis, avec sa femme, qui a porté son enfant neuf mois dans le ventre. Vous venez aujourd'hui lui dire qu'il n'a aucun droit sur l'enfant. Il ne doit rien dire sur l'enfant là. Comment est-ce que, selon vous, quelqu'un peut se lever, dire à un papa qui a un enfant, qui a une déficience mentale, de prendre son enfant, venir à Yaoundé, le laisser dans la maison du gars et partir au village Qu'est-ce que vous me parlez là Moi j'ai des enfants. Qu'est-ce que vous me racontez là Vous me racontez quoi Donc je dois accepter ça Je dois accepter ça que ce papa se lève au village, il prend son enfant, il vient à Yaoundé, donner à quelqu'un, le père dit non, on lui fait le chantage, parce qu'on a dit qu'on va rester sa cordonnerie, ce n'est pas la sorcellerie. L'enfant, là vous doit quoi Vous, qui êtes derrière cet enfant, que vous voulez manger derrière lui-là, le karma de cet enfant va vous suivre toutes vos vies. Moi, je vous dis, vous qui voulez faire l'argent derrière cet enfant qui est malade, et innocent. Le karma de cet enfant va vous suivre toute votre vie. Ça va vous jeter au sol un à un. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez raconté que, oh, machin, mal je les gens. Je n'ai jamais cherché le clash à ce type. Je suis resté chez moi, on m'appelle, on me menace, on enregistre l'appel. Je me mets chez Isaka, je dis que tu as enregistré l'appel, j'ai mal parlé, Diffuse l'appel là. Pardon, diffuse. Les gens écoutent. La sorcellerie. Il raconte les histoires, mais il ne diffuse pas l'appel. Il dit qu'il a enregistré. Et je sais qu'il a enregistré l'appel. Diffuse l'appel. Il ne diffuse pas. Il improvise en direct le soir. Malox est monté, Malox est descendu. Parce qu'il a entendu les vieux. On dit que si tu continues à nous faire le chantage, on va appeler Malox pour lui dire. Il anticipe. Il se met à m'insulter. Jusque-là, je garde mon calme. Mais là, je ne peux plus garder mon calme. Je te jure sur la tête de ma mère. Je ne peux plus garder mon calme. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que ce père t'a demandé Qu'est-ce que ce petit t'a demandé à part les dons que les gens ont voulu faire à cet enfant Pourquoi veux-tu contrôler l'argent et les dons qu'on donne à cet enfant On donne les habits, tu bloques. Qui t'a même d'abord donné le droit Le père m'a dit qu'il ne t'a jamais donné le droit. La nourrice de l'enfant a dit qu'elle ne t'a jamais donné le droit de porter, de prendre quoi que ce soit au nom de l'enfant. Pourquoi tu prends ça Pourquoi tu prends l'argent des gens au nom de cet enfant tu ne peux pas aller là-bas faire le don et tu mets le contact pour qu'on aille voir les gens là Qu'est-ce que ça te coûte Ça te coûte quoi Tu racontes les bêtises sur Internet. Malheureusement, ça a appelé la famille pour dire que j'appelle leur famille pour leur dire quoi Que depuis qu'elle a envoyé l'argent, depuis plus d'un mois que j'ai envoyé l'argent, je ne pouvais pas les appeler. C'est maintenant que je les appelle. Pour leur dire quoi Tu t'empêches de faire quoi J'ai déjà empêché qui Il y a des témoins ici dans le direct qui vont vous dire que moi je les ai envoyés vers cette famille. J'ai des gens empêchés qui versaient familles d'aller envoyer l'argent là-bas. Je gagne quoi derrière? Moi, je meurs quoi dans, dans l'histoire là. Tu te lèves, tu peux concevoir ton business. Mon ami, tu ne peux pas concevoir un business sur le dos d'un enfant qui est malade. Laisse l'enfant là. Tu ne peux pas payer l'enfant là. Laisse-le. Va chercher ton business sur les gens qui ont encore toute leur tête. Laisse l'enfant là. Laisse la sorcellerie de l'enfant là. La malchance que tu vas porter l'enfant là, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter la malchance là. Et toute personne qui fait les directs et qui l'aide là, vous allez porter la malchance de l'enfant là sur vos têtes. Vous cherchez même quoi Tu dis que tu laves tes mains sur l'enfant, c'est ton enfant Tu as déjà fait quoi pour l'enfant là Parce que tu avais venu lui donner un bois de Yao Milo. Tu dis que tu laves tes mains sur lui. Tu sais depuis combien de temps ce père s'occupe de cet enfant qui est malade Aujourd'hui tu, tu l'insultes comme un enfant au téléphone. Je t'ai dit que j'allais m'occuper de ta codellerie. Tu me penses à qui? Je ne te donne même plus 5 francs. Hein? Tu es qui? C'est ton argent? C'est quelle arrogance ça? C'est quel mépris ça? C'est ton égal. Je te donne plus 5 fois et je vais, et vais tout gâter. Je vais, je vais saboter la vie de l'enfant. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. On est même où? On est où Jusqu'à qu'il se met à la télé que je reconnais que quand je pars dans les sociétés, je prends l'argent, je mets dans ma part, ma part, pa dans ma poche. Je... Mon ami, quand tu veux aider, aide, tu qu dess qui dessus. Quand tu veux aider, aide, tu qui dessus. Les gens m'ont demandé que moi, Malox, pourquoi est-ce que tu as le, le succès on ne sait pas, tu remplis les grandes statues, tu ne passes pas la télé. C'est toi qui es le gros cachet, tu ne passes pas ici. Tu n'as pas machin. Parce que moi, je n'ai pas besoin de bavarder C'est tout ce que j'ai déjà fait pour les gens. Mon étoile va tout oublier. Je vous préviens d'abord. Parce que je connais ce que c'est que de donner avec le cœur, de manière spontanée. J'ai mis sur mon statut, trouvez-moi le petit là, je lui donne l'argent, je lui ai donné. Point bas. On est quitté dessus. Depuis ce jour, on n'en parle plus. Aujourd'hui, vous vous levez jusqu'à vous dire je lave les mains sur l'enfant de quelqu'un. Les gens qui m'écoutent là, vous êtes parents, vous avez les enfants. Dites-moi combien d'entre vous sont capables de prendre leur enfant, aller donner à quelqu'un. Parce qu'on leur a l'argent. Vous croyez que le femme-là, c'est quoi C'est ça le femme-là. De là. Ce que vous faites là, c'est le femme-là. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Parce que quelqu'un t'a donné l'argent, tu ne réfléchis plus. Ton enfant est devenu un objet. Hein parce qu'un papa qui est au village a simplement dit moi je vous mets au pas ici. Hein? Vous n'êtes même pas trois ici là qui sont capables de vivre avec un enfant qui a une, dé une déficience mentale. Vous n'êtes pas trois à vivre avec un enfant, à être capable de vivre avec un enfant qui a une déficience mentale. Le papa vous a demandé quoi Aujourd'hui vous estimez que le père de l'enfant sa mère n'a pas d'avis à donner. Vous leur faites des procès d'intention. Vous prenez un inconnu tu ne sais pas s'il a l'enfant. Tu ne, sais pas ce est. Tu, tu ne sais pas où il vit. On ne sait pas ce qu'il fait. On prend l'enfant de quelqu'un, on ne peut pas lui donner. Et les gens me disent que j'ai tort. Que j'ai tort de penser que non. Cet enfant, la responsabilité de toutes les actions qui doivent être faites envers cet enfant doivent d'abord passer par ses parents. Qu'est-ce que j'ai dit de mal Hein Je demande ce que moi j'ai dit de mal. En disant que la responsabilité de cet enfant. Tout ce qui concerne l'avenir de cet enfant doit passer et être validé par ses parents. Vous faites les procès d'intention à ses parents. Vous dites qu'on va donner l'argent à ses parents, ils vont manger. Ce n'est pas l'enfant. Qui doit manger l'argent sur lui si ce n'est pas eux Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Pas... Qui doit manger l'argent sur lui si ce n'est pas eux Qui mérite de manger l'argent sur l'enfant là aujourd'hui si ce n'est pas eux Qu'est-ce qu'il vous coûte de donner et de quitter sur ça Vous dites que je prends l'enfant de quelqu'un, je fais le business avec. Quelqu'un d'autre ça s'assoit là-bas et dit que oui, lui-même il a les enfants à la maison. Il en et dit que oui, prends-le, utilise-le. Non, les gars, non. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non parce que moi-même j'ai l'enfant. Je vous dis non. Je ne vous dis non. Les gars, je ne peux pas accepter ça. Si vous, vous vous acceptez ça, moi je ne peux pas accepter ça. On dit que mon cœur est dur, mais le genre là, hein, mon cœur n'est plus dur. Non. Le petit, là, quand je le regarde, c'est un petit innocent. Il ne connaît rien. Ses parents sont naïfs, mais ils ne sont pas idiots. Ils ont dit que leur enfant reste à côté d'eux. Ce dont l'enfant a besoin, c'est d'aller à l'école et d'avoir la possibilité d'avoir une couverture santé qui va le permettre de grandir comme tous les autres enfants. L'enfant là n'a jamais demandé qu'il va aller en France. Fali Poupon n'a jamais fait une promesse de don à cet enfant. Jamais. Il a apprécié la vidéo de l'enfant, il n'a jamais fait une promesse de don. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Un enfant, ce n'est pas un objet. Je sais que vous avez les enfants. Je sais que vous avez les enfants quand vous entendez là. Je me lève le matin, quelqu'un m'insulte. Il m'appelle au téléphone, dans mon téléphone, il m'insulte. Je n'ai pas encore parlé le soir, il fait le direct. Il me réinsulte. On se demande pourquoi. Parce qu'il faut amener les gens avant que Malox ne fasse éclater l'histoire au grand jour. Mais tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on m'a appelé. Tu as réimprovisé en direct. Ou tu dis que j'ai appelé le père du petit pour lui raconter les histoires, machin, machin. Je vais appeler le père du petit là ici en direct. Il va nous dire si moi j'ai appris mon téléphone pour l'appeler un jour. Ça nourrit cela là, là. Je vais appeler. Elle va dire si moi j'ai appris mon téléphone pour les chercher un jour. Hein? Si ce n'est pas parce qu'ils étaient inquiets de l'espoir que tu es en train de faire autour d'eux, qu'ils se sont retrouvés démunis en train de m'appeler. Et t'as dit que fais tes trucs-là. Exploite les, les gens qui ont toute leur tête. Exploite les vieux qui n'ont plus rien à faire. Mais laisse cet enfant tranquille. C'est un conseil que je te donne. Parce que la malchance que tu vas porter derrière lenfant si ça va te dépasser. Je sais que tu dis que tu l'as avec tes mains, mais tu es derrière, tu fais le sabotage. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es pas le dieu de l'enfant là. Tu n'as pas le monopole de changer sa vie. Les gens qui ont donné les dons à cet enfant jusqu'à maintenant ne sont, sont prévalus de rien. Ils n'ont pas dit qu'ils changeaient la vie de l'enfant. J'ai donné l'argent à l'enfant, il n'ai pas dit qu'il changeait sa vie. J'ai donné l'argent à l'enfant là, je ne disais pas de changer sa vie. même -moi, Laisse-moi les mots de charlatan. Tu changes la vie de qui tu peux, changer une vie tu peux changer la vie d'un enfant qui est malade Toi Pas bah, tu allais discuter d'autres sortes de riz quelque part c'est fou C'est de prétention ça Vous êtes même déjà trop prétentieux ici hein? Moi je vous dis, et je vous répète, je suis venu ici vous raconter comment cette histoire a commencé, et vous allez comprendre que cette histoire va finir très mal. Tu ne peux pas te lever, tu dis que tu prends l'argent des dons, que des personnes innocentes, simples de leur vie, ont fait des efforts pour donner, tu dis que tu ne remets même plus 5 francs à la famille, tu t'en fous, tu vas saboter l'enfant mon frère, ce n'est pas ton argent. On ne mange pas l'argent du deuil. Que tu fais Tu veux que je te dise la vérité On ne mange, on dit que celui qui mange l'argent du deuil porte la sorcellerie. Les gens se sont levés, ils ont cotisé avec un cœur pour donner à l'enfant là. Tu prends, tu bloques. Tu fais le chantage à son père. Tu fais le chantage à son père. Tu fais le chantage à son père. Tu dis que tu vas saboter l'enfant. Toutes les personnes qui veulent maintenant donner, tu les appelles pour leur dire que ne donnaient rien. Le père, là, c'est un voleur, il va manger l'argent de, de son fils. Tu n'étais pas là quand il a couché son enfant. Tu n'étais pas là quand il éduquait son enfant étant malade. Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qu'il subit au quotidien avec cet enfant qui n'est pas comme tous les autres. Tu ne sais pas. Arrête la sorcellerie. La malchance que tu vas porter derrière l'enfant, ça va te dépasser, je te jure. Moi, je suis venu, j'ai dit une chose. Cet enfant a une famille. Cet enfant a un père, il a une mère. Cet enfant a des gens qui peuvent s'occuper de lui. Rapprochez-vous de ces gens. Donnez vos dons. Faites vos propositions. Faites vos demandes. Mais ne prenez pas ces parents pour des idiots. Vous êtes parents. Arrêtez le buzz d'internet et réfléchissez en parents. Ne prenez pas ces parents pour des idiots. Rapprochez-vous de cette famille. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde le fait. Cet enfant, arrêtez vos histoires là. Cet enfant n'est pas un artiste. Ce que vous êtes en train de faire là, que vous dites que vous faites les contrats, vous les... laissez l'enfant là tranquille. Il vous a rien demandé même d'abord. Le petit là n'a jamais rien demandé. Le père là n'a jamais fait un appel au don. Vous avez demandé de manière spontanée à aider ce petit comme le petit là. Il a fait sa chanson de manière spontanée. Vous avez, vous avez, vous, êtes, vous êtes lancé de manière spontanée comme moi-même. On ne m'a rien demandé. Il a décidé d'aider le petit là. Vous avez demandé de que vous allez aidé le petit là. On ne vous a rien demandé. Pourquoi aujourd'hui c'est une histoire où on a conditionné l'aide qui a entraîné ce petit? Qui vous a dit que le rêve du petit là c'est en France? Qui vous a dit ça Vous qui êtes de trop bien. On a entendu que le Corona, vous avez vu, vous êtes venu ici, non Hein Qui vous a dit que c'est le rêve du petit là Le petit là, ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est un enfant qui est malade. Si vous ne pouvez pas aider au suivi de cet enfant qui derrière l'enfant-là, j'entends les gens dire oui. Et même s'il fait quelque chose, il prend l'argent en retour. Mon frère, on est où? Quel est ce pays où pour aider quelqu'un, il faut prendre quelque chose en retour? Jusqu'à ce que tu dis que s'il n'y a pas là une partie de l'argent des dons qui entrent dans ta poche, tu ne donnes plus 5 francs. Non, non. Arrêtez aussi, dis donc. Arrêtez aussi. Tu dis qu'il n'y a pas une partie et donc qu'il y a un tu ne remets plus l'argent à l'enfant. Pourquoi Vous faites le business avec la vie de l'enfant de tuer. Pourquoi Donc le père là n'a pas le droit de dire que mon enfant n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas ce droit là. Il n'a plus ce droit sur son enfant. Ceux qui disent ça, on va voir s'il n'a plus le droit là. Moi je vous dis, on va voir si son père et sa mère n'ont plus le droit sur cet enfant. Vous voulez enlever à ce père le droit de, 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 de construire la vie de son enfant. Le père là a dit qu'il ne vienne pas à Yaoundé. Il a dit qu'il ne vient pas à Yaound avec l'enfant là que si tu veux donner quelque chose viens à bafoussam tu parles avec eux vous partez, vous partez au village vous mentez quand on, on a donné l'argent à l'enfant vous tournez vous tenez le dos, on va tuer le père là au village à cause de l'argent là qu'on ne voit même pas on va tuer le père là au village pour l'argent qu'on ne voit même pas on est dans une société africaine on sait comment ça marche moi je vous ai dit et c'est ce que j'ai dit depuis le début je suis resté chez moi. Les gens m'ont appelé. S'il ne veut pas m'appeler, il a commencé les menaces. Il dit avoir enregistré. Je lui ai dit diffuse, il n'a jamais diffusé. Mais il a quand même trouvé le temps de dire comment je suis mal, mal éduqué, insolent, monsieur, ceci, ceci, cela. Ai il a dit qu'il n'y a pas de problème, diffuse, il n'a pas diffusé. Jusque-là, je n'ai rien dit. Les parents m'ont appelé pour dire qu'ils ne veulent plus le chantage, qu'ils ne veulent pas d'intermédiaire, qu'ils n'ont jamais donné les droits et les autorisations à quelqu'un de faire une quête. Pour prendre de l'argent, pour donner à l'enfant. Le bon monsieur avait déjà fait les pages, sponsorisé, commencé à gagner l'argent, diffusé, fait les placements produits. Vous dites que c'est le business. Vous avez les familles. Vous acceptez. C'est vous qui dites que. Vous, vous dites à haute voix partout qu'on doit utiliser l'enfant de l'autre. Vous avez vos enfants chez vous. Vous avez les enfants. Vous demandez qu'on utilise l'enfant de l'autre. Un homme qui a souffert au village, qui souffre au village avec un enfant. Un enfant qui a une déficience mentale. Vous êtes là. Vous encouragez qu'on utilise l'enfant là. Malgré la souffrance du père là. C'est vous qui faites ça. Après vous allez venir écrire le dieu en gros caractère sur internet. Arrêtez ça. Vous allez porter la malchance derrière cet enfant. Et vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Laissez l'enfant là tranquille. Allez voir le père et la mère de l'enfant pour faire vos dons. C'est tout ce qu'on vous demande. Je ne sais pas si c'est obligé qu'il passe par quelqu'un. Quelle est cette histoire que quelqu'un qui ne connaît pas un enfant se lève, il dit que je l'avais mes mains sur l'enfant. Par rapport à quoi C'est ton enfant Quel est ce parent qui est capable de dire que je vais adopter un enfant Mais au moins d'un mouvement où on dit qu'il ne gère plus l'enfant, il ne plus la, la jambe de l'enfant, il dit qu'il lave ses mains. Quel est ce parent Nous, on était des enfants têtus. Vous qui nous regardez là, vous êtes des enfants têtus partout à l'école. Vos parents ont eu mille et une raisons de vouloir laver les mains sur vous. Ils n'ont jamais lavé les mains. Parce qu'ils vous aimaient. On a volé l'argent quand on était petit. On a dormi, on a fait le désordre. Mais les parents n'ont jamais lavé les mains sur nous. Les parents n'ont jamais lavé les mains sur nous. Quelle est cette personne qui dit qu'il veut s'occuper d'un enfant? À la moindre occasion, où on dit qu'il a en désaccord avec les parents de l'enfant. Où ils disent que non, tu ne gères pas l'argent. Il dit qu'il lave ses mains. Vous croyez que ce type peut s'occuper d'un enfant Et de sur quoi un enfant qui a une déficience mentale Vous êtes sûr hein Laissez-moi le bavardage de Facebook. Hein Vous êtes sûr Vous êtes sûr que cette personne qui a la moindre occasion dit je lave mes mains sur un enfant. Tu sais ce que ça veut dire je lave mes mains Combien de parents sont capables de dire que je lave mes mains sur mon enfant Si tu veux vraiment prendre cet enfant comme ton enfant. Combien de parents sont capables de dire je lave mes mains sur mon enfant toi, tu l'as dit. Je lave mes mains. Pourquoi Pour une question d'argent. Je veux aussi avoir ma part sur ça. Oh, c'est pas possible. C'est malheureux. C'est pathétique. C'est ridicule. Jusqu'à les jours, les gens commentaient. Oui, c'est bien. Lave tes mains. Ne donne même plus 5 francs à l'enfant, là. Vraiment de Dieu. L'homme est méchant, hein. L'homme est méchant, hein. Combien de parents sur je vous ai demandé, sont capables de dire, même quand ton enfant c'est un bandit, un tueur, tu ne peux pas dire que je lave mes mains sur mon enfant. J'ai vu des parents parler ça le lendemain, venir demander à leurs enfants que non, on revient à la maison. Lui, il se lève, il fait le direct, il dit que moi j'ai dit que comme je ne vais pas changer la vie de l'enfant là, il ne sera rien sur terre. Je bloque l'argent, je bloque sa famille, je sabote et là où il est là, je lave mes mains sur lui, il ne sera rien. Tu laves tes mains sur l'enfant de quelqu'un qui l'a élevé depuis de, de, de plus de 15 ans. Tu laves tes mains sur l'enfant de quelqu'un. Tu es même normal. Les gens qui vous suivent, même, ça vous a même toqué même. L'enfant de quelqu'un. Si tu laves les mains sur un enfant qui est malade, combien de fois un enfant qui est normal? Si te donne l'enfant là une semaine, tu ne peux pas. Moi je te dis ça. Tu ne peux pas supporter l'enfant là. Je laves mes mains. Pourquoi Parce qu'on a dit que je ne prends plus l'argent. Mon frère. Donc tu es derrière l'enfant là comme ça, c'est ton problème c'est l'argent. Hein Donc tu es derrière l'enfant là comme ça, ton problème c'est l'argent. Hein Personne qui doit les dons là, son problème c'est l'argent. On va encourager le petit là. Donc tu es le seul que ton problème derrière l'enfant là, c'est l'argent et tu le défends et tu n'as pas honte de le dire. Je suis derrière l'enfant là parce que mon problème c'est l'argent. Quel la argent, mon frère Tu cherches que l'argent derrière l'enfant là. Tu cherches que l'argent que tu as, tu as investi quoi sur l'enfant là tu cherches quoi Le petit là s'est levé, là, a eu son succès au village seul. Tu cherches quoi derrière l'enfant là Tu as investi quoi sur l'enfant là pour exiger que tu veux l'argent derrière l'enfant là Ouais, la sorcellerie. La sorcellerie des Camerounais. C'est la magie. Jusqu'à les gens se mettent en France. Qu'on est censé savoir que c'est eux la diaspora qui vont réfléchir. Ils sont les premiers à accepter que l'argent des dons qu'on a donné bloque ça. Ça le manque de respect à son père. Il n'est pas capable de s'occuper de l'enfant. Mon enfin, frère. Vous avez y a dormi une semaine avec un enfant qui a une déficience mentale. Le père s'occupe de, de cet enfant depuis plus de 10 ans, son enfant, son cœur, son sang. Vous venez lui dire qu'il n'a aucun droit. Qu'il n'a aucun, absolument aucun droit. Qu'il n'a absolument aucun droit sur son propre enfant. Oh, non, n'exagérez pas. N'exagérez pas aussi. N'exagérez pas aussi. Moi, j'ai défendu ça depuis le début. J'ai voulu montrer un exemple. Il y a une partie des gens qui ont suivi cet exemple. Ils sont allés directement voir la famille. Aujourd'hui, c'est que l'enfant est un objet. Il faut faire le business. Quel business derrière l'enfant là que Vous cherchez quel business Avec tous les business qui existent d'or. Avec tous les gens talentueux qui ont subi Mister. Vous n'avez pas vu une seule personne talentueuse que vous pouvez prendre, mettre devant vous, ça marche. Vous voulez exploiter un enfant qui a une déficience mentale et insulter ses parents. Je ne peux pas. En bas ton audio là. Le genre que tu manques, le respect au père là. Moi je me suis dépassé. Moi je te dis que si c'était mon père, c'est que je te jette au sol le même jour. Qu'on ne te manque même pas. Il a dit que si c'était mon père, à mon père, que tu manques le respect comme ça, comme j'ai vu, tu manques le respect au téléphone, quand tu dis qu'il se prend pour qui. Même cette femme, tu ne donnes pas, tu as rien à sa corderie. Il je va te jeter au sol le même jour. Je te dis. Je crois que vous avez fini. Vous, vous, vous avez mis hein? les Vous ne réfléchissez plus, hein? On manque le respect à un papa comme ça. Et vous dit que si c'était mon père, moi, c'est comme je te juge sur la tête de ma mère. Je te jette au sol le même jour. Je ne doute même pas. Je jette, ne doute même pas de ça. Le parent n'en peut plus. On ne t'a donné aucune autorisation. Tu n'as aucune autorisation de faire les, de demander le don. Toi, tu n'as aucune autorisation. Tu n'as aucun choix sur cet enfant. Tu as demandé, ils ont refusé. Ça devient le chantage. Ça devient que tu vas bloquer. Par rapport à quoi Par rapport à quoi Toi, tu veux faire le chantage à cette famille par rapport à quoi Jusqu'à dire que je lave mes mains comme je ne vais pas faire ce que je voulais faire de l'enfant. L'enfant va rater sa vie. Tu es son Dieu. Tu es son quoi L'enfant là, depuis qu'il vit là, tu connais comment un enfant qui a une déficience mentale, combien de fois il peut mourir en 10 ans Combien de fois il y a les occasions qu'il puisse mourir en 10 ans Il vit toujours. Avec ses parents au village. Il a fait la vidéo, ça a fait le tour du monde. Tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu dis que tu laves tes mains et comme tu laves tes mains, il va rater sa vie. Quelle méchanceté Quel mauvais cœur tu gagnes quoi Tu gagnes quoi aujourd'hui Le souhait que tu fais là, que le petit là rate sa vie, tu gagnes quoi à ce qu'il rate sa vie Tu gagnes quoi à ne pas prendre de l'argent la, tu, Toi tu payes quoi quand tu prends l'argent des gens qu'on a dit que tu le remets, tu le remets Tu payes quoi Au oh juste. Tu dis que tu fais le business. Tu fais le business avec l'enfant d'autrui. Tu fais le business sur l'enfant d'autrui. Hein Tu fais le business sur l'enfant d'autrui. Si tu étais même quelqu'un d'intelligent, tu aurais compris que le petit là, ce dont il avait besoin, ce n'était pas le Yahoo Milo. Ce n'était pas un poème de Yahoo. Tu aurais compris depuis le premier jour que le petit a une déficience mentale. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas compris ça. Tout ce que tu t'es mis, tu t'es dit à Internet, trop d'arrogance, trop d'assurance, trop de mépris envers une famille. Je ne donne même plus 5 francs. Et maintenant je vais tout gâter, je vais saboter. Quel mépris, quelle insolence, quelle arrogance. On parle d'un papa d'une maman ils ont accouché leurs enf leur enfants ils vivent avec un enfant qui a une déficience mentale depuis des années aujourd'hui on les insulte comme des animaux sur internet parce que tu veux gagner de l'argent derrière l'enfant et les gens me disent d'accepter ça moi je n'accepte pas ça acceptez mais moi je n'accepte pas ça je le dis et je le répète je n'accepte pas ça si vous voulez faire les dons allez donner à la famille là cette famille a souffert et mérite Aujourd'hui, qu'on leur fasse des dons et qu'on donne les dons à cette famille. Ils méritent ça. Ils ont souffert. Ça ne va pas passé par personne. On n'est plus à l'air où il n'y a pas de route. Où il n'y a pas le téléphone. On n'a plus accès à certaines choses. Et quand on bavarde comme ça, donne-moi un peu ton téléphone là. Je vais appeler. Je vais appeler le père Donne-moi, donne-moi. On pose le numéro là, de Laurent. Une famille qui a souffert comme ça avec un enfant. Aujourd'hui, on parle à l'argent, les gens font de la discussion. Vous discutez même quoi? So and other from Wash your them time and... Et lavez mes mains, c'est pas la sorcellerie ça. C'est comment, type? Allô? Allô? Oui, c'est comment? Ça va, ça va. Oui, tu avais le père de l'enfant là? Ouais, ouais, ouais. Oui, tu peux me le passer un peu là parce que je suis en direct. Ah, d'accord de les de Samuel et tout, qu il, qu il te le passe. Non, le feignant a dit qu'il a bloqué la vie de l'enfant. On va voir comme c'est lui qui, qui faisait la vie de l'enfant là. Allô D'accord, d'accord. Allô Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon père, c'est comment oh, Ça va bien. Je vais te poser une question, hein, papa. Uh -huh. Parce qu'il faut que les gens sachent, je suis en direct ici, il y a plus de 10 000 personnes connectées qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Hein ouais. Donc... Il va te poser une question. Tu vas me dire si je me trompe. Parce que le gars en question, qui ne veut pas, qui bloque les dons et tout, a dit hier que je vous avais appelé pour vous dire de ne plus parler avec lui, machin et tout. Que moi, j'ai pris mon téléphone. Vous appeler. Moi, je vais demander ici, là, que le père, mon père, oui, oui. il a dit, hein, j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour t'appeler. Non, non, tu ne m'as jamais appelé. Écoutez bien ce que le père dit. Mon père, est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour t'appeler voilà. Est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour appeler un quelconque membre de ta famille pour lui raconter une histoire? Non, non. Voilà. Bon père, oui. quand la nourrice du petit m'a appelé, hein? Ainsi que vous qui étiez là. Vous m'avez dit que c'est parce que vous ne voulez pas que quelqu'un, que les dons qui viennent au petit là passent par quelqu'un, non? Justement. Hein? Vous m'avez dit que quoi? On ne veut pas que ça passe entre les mains de quelqu'un. Voilà. Et quand vous êtes en train de faire quoi? Parce que... Vous avez un problème en ce moment-là. Hein? Mmh. Voilà. Il faut expliquer aux gens quel était le problème. Parce que, apparemment, ici, il y a un gars qui a dit sur Internet, pris l'argent de tout le monde. Il dit que vous avez donné les autorisations que l'argent des gens passe par ses mains. Hein? Et qu'aujourd'hui, il a récupéré l'argent des gens et il bloque et il dit qu'il ne peut plus donner. Pardon, mon, mon père, explique aux gens ici que vous n'avez pas donné d'autorisation aux gens. Parce que peut-être ne comprend pas bien. Non, on n'a pas donné l'autorisation à, à quelqu'un de prendre l'argent de l'enfant. Si eh? quelqu'un veut faire un don à l'enfant, il vient directement. C'est comme les vient viennent de faire le don à l'enfant qui s'en même. Voilà. La Fondation Eto vient de faire un don à l'enfant. Ils n'ont pas eu besoin de faire de bruit. Ils n'ont pas eu besoin de tourner. Et laissez-moi vous, laissez vous dire que parmi le don que la Fondation Eto a fait, hein, il y a une prise en charge de la scolarité de l'enfant. Ça, vous ne le savez pas. Il faut leur dire ça, papa. Mm -hmm. C'est tout à fait non. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Voilà. Je suis en train de leur dire ça, ils sont en train de voir, il y a 11 000 personnes connectées, ils sont en train d'écouter ce que le papa de l'enfant est en train de dire. Écoutez bien pour ceux qui n'ont pas compris, je retraduis. Le papa de l'enfant a dit que son problème depuis, c'est qu'il n'a donné aucune autorisation à qui que ce soit de récolter des dons au nom de cet enfant. Et que la seule moyen de, de pouvoir entrer en contact avec cet enfant, c'est de venir voir la famille. Il y a un monsieur sur internet qui raconte partout qu'on fait des dons. Il va changer la vie de l'enfant. Il va mettre l'enfant à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de faire ça Parce que c'est là où la question se pose. Aujourd'hui, les gens ont donné des dons à ces gars. Il ne veut pas remettre les dons à la famille. Il fait le chantage à la famille. Hein? Il prend l'argent des gens. Il ne veut pas donner. Il dit qu'il a le monopole. C'est lui qui va changer la vie de l'enfant. Papa, répète encore bien le nom de la fondation qui vient de donner le don à l'enfant là. La fondation Samuel Eto. Donc vous comprenez bien que ce garçon, le civil Fa qui peut changer la vie d'un enfant plus que Eto. Comme il a lavé ses mains là, c'est ce que vous voulez me dire. Que comme il a lavé ses mains, il a bloqué la vie de l'enfant là. Moi je vous dis non. Il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Cet enfant a un Dieu au-dessus de sa tête. Je te dit. Vous ne pouvez rien le faire. Si Samuel Eto lui-même a dit qu'il va venir voir l'enfant là personnellement. Tu n'es rien, Steve Fah. Tu, tu n'es rien pour dire que tu laves les mains sur tes enfant. Dieu n'a pas lavé les mains sur lui. Tu n'es pas Dieu. Je te le dis. Les gens vont le soutenir. Les gens vont lui faire des dons. Et le petit maigre 2000 euros que tu as pris là, on ne va te laisser avec ça. Et la malchance va te suivre toute ta vie. Je te le dis. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui encouragent ce type, de, ce genre de choses. Je suis choqué, je suis dépassé, je suis exténué. Voilà le papa. Qui vient de démentir ici là que je l'ai jamais appelé. Voilà le papa qui dit qu'elle n'a jamais raconté une histoire hors du commun. Voilà le papa qui vous dit que tout ce qu'il a demandé depuis le début de sa vie, depuis qu'il demande là. C'est une possibilité de pouvoir envoyer son enfant à l'école et d'avoir un suivi médical sûr de son enfant. Il ne demande rien. Ce n'est pas la lune. Vous faites des petits dons à l'enfant. Il prend. Ce père souffre depuis combien d'années derrière cet enfant Pourquoi aujourd'hui on l'insulte comme un enfant sur Internet On le met plus au téléphone. C'est un parent. Vous le traitez le soula. Vous faites des vidéos sur Internet, où vous le traitez le de Soula devant de, de 5000 personnes. Les gens reprennent ça dans la diaspora pour dites que oui, c'est un papa. Vraiment. C'est même qu'elle machin ce que vous cherchez derrière l'enfant-là. Prenez l'argent de l'enfant là, donné à ses parents. Ils vont s'occuper de ça. Si vous avez des propositions pour l'introduire dans les clips, les films, les machins, venez voir ses parents. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Vous allez vous entendre. Qu'est-ce que ça vous coûte ça ne vous coûte rien. Quelqu'un dit qu'il va prendre l'enfant, faire le business sur son dos. Quel genre de business tu vas faire sur le dos d'un enfant Vraiment de Dieu. Je parle comme ça, le papa est en train de m'écouter. Je parle comme ça, le papa est en train de m'écouter. Le papa était il y a des minutes. Il était démunis parce qu'il avait trop de chantage. Le gars a fait la vidéo. Papa. Papa. Le gars, s'il veut faire une vidéo sur Internet, vous lui racontez comment moi j'ai appelé. Je vous ai appelé pour vous raconter comment vous devez le chasser, marcher et tout et tout et tout et tout. Je ne comprends pas la sorcellerie là, papa. Hein? Uh -huh. Mon père, tu m'as déjà vu un jour. Non, je ne vous ai pas vu. Arrive... Même le jour où j'ai envoyé l'argent à l'enfant, je suis venu à la maison. Non, c'est hein? ton gars que je connais. C'est ton gars que je Après ça, papa, les gens sont venus à la maison, non? Uh -huh. Ils ont dit que c'est parce qu'ils avaient vu le geste qu'ils avaient fait, non? Oui. Aujourd'hui. Qu'est-ce que ça coûte donc aux autres de venir vous voir Rien du tout. Les gars, arrêtez la sorcellerie. Je vous demande pardon à genoux. Arrêtez la sorcellerie derrière l'enfant là. Si vous avez les dons à donner, donnez à la famille là. Donnez-leur leurs le don. Ils méritent. Ce ne sont pas seulement les dons pour l'enfant, même pour les parents. Deux parents comme ça qui s'occupent au village d'un enfant qui a une déficience mentale depuis des années, c'est dur. Arrêtez aussi. Vous savez ça. Donnez les dons à cette famille. Aidez cet enfant à devenir quelqu'un, peut-être ça peut l'inspirer, devient grand jour. Ne précipitez pas la vie de l'enfant. L'enfant n'est pas, pas un objet qu'on peut le prendre, on l'amène dans le showbiz. Demain, parce qu'on l'a amené, il a chanté sa chanson, ça ne va pas marcher, on le jette. Ne traumatisez pas l'enfant en plus. Le showbiz, c'est un monde risqué. Il n'y a rien qui prouve dans le showbiz que ça va marcher. Ne prenez pas l'enfant, vous l'amenez partout. Demain, ça ne donne pas. Il vit avec ce traumatisme toute sa vie. Laissez à cet enfant le temps de mûrir, de grandir, de devenir quelqu'un. Aidez-le. Voilà Eto. Voilà Eto. On critique Eto. On dit tout sur Eto. Mais la fondation de Eto est partie à Bafoussam chez l'enfant là. Hein Dans le village. Parce que ce n'est même pas Bafoussam en ville. Au village. Voir la famille de cet enfant. Sans faire les bruits. Aider cet enfant à payer sa scolarité. Sans faire les bruits. Sans caméra. Un petit individu de rien du tout. C'est là qu'il dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un. Dieu a mis la main sur quelqu'un. Tu laves la main. Toi tu es qui Le diable Tu es qui pour défendre ça, je vous avais dit que je vais appeler le papa de cet enfant en direct. Je l'ai appelé. Je suis un homme de parole. Je ne suis pas le genre qui dit que j'ai l'enregistrement, je ne je, 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 je dis pas. Je ne suis pas dans ça. Je ne connais pas le faux. Moi, on m'a tout... On m'a.. On m'a.. On m'a prédit l'avenir le plus sombre du monde dans le hip-hop. Mais aujourd'hui, je suis à la tête de tout. Je suis au top dans le game comme jamais. Vous le savez tous. Parce que moi, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas les bag il n'aime pas les sacotés à, à côté. Je tape sexy un retour. Je gère. Là vous êtes là. J'ai appelé le papa de l'enfant. Oui. Merci beaucoup hein. Fini avec, fini. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Ce qu'il va faire c'est que je vais te rappeler. Il va t'appeler. Il va appeler Laurent plus tard. Il va essayer de te joindre et il va envoyer les gens vers vous. Hein papa? Toutes les personnes qui font les dons là, je vais les envoyer directement vers vous. Hein? Papa, écoute bien ce que je vais te demander de faire. Papa, uh -huh. tu vas faire une vidéo hein, dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone hein, uh -huh. avec l'enfant. Tu vas faire une vidéo avec l'enfant dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone qui sera le numéro avec lequel on va vous joindre si on va vous faire des dons. Hein. Uh -huh. Je vais donner ça, je vais mettre ça sur internet. Toute uh -huh. personne désirée de faire des dons va passer par ce numéro ou cette boîte email. Okay. Toute personne qui n'a pas la possibilité de faire des dons va pouvoir au moins partager cette vidéo pour que ça arrive le plus loin possible afin que les gens qui ont les moyens de faire des dons et d'apporter du soutien à cet enfant toute sa vie viennent vers lui. Hein papa, tu comprends ce que je veux dire hein? donc, donc tout à l'heure, tu n'auras plus besoin d'intermédiaire. Tu vas donner ce numéro, on va faire une vidéo dans laquelle on va marquer ce numéro, on va mettre sur internet. Les gens qui n'auront pas les moyens de faire un don, vont, ils auront l'obligation et l'obligence de partager cette vidéo au maximum pour que cette vidéo touche et parle aux gens qui ont la possibilité de faire des dons pour qu'ils viennent vers vous. Papa, je ne tourne pas pour le dire. Papa, l de, la vie de ton enfant ne change pas sans ta vie. Tu comprends, non hein? C'est ton enfant. C'est ton enfant, toi et ton époux. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Hein? Vous avez nourri cet enfant. Vous l'avez porté, vous l'avez supporté. Il a la chance qu'aujourd'hui, les gens le regardent. Hein, papa? Comme les gens le regardent, s'il profite de son succès, c'est normal que son papa profite de son succès. Parce qu'on ne connaît pas la souffrance que tu as eue avec cet enfant. Tu comprends, non, papa? Toute personne qui veut aider, pas seulement cet enfant, mais cette famille, qui vienne. Moi, je vais donner la vidéo tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, papa. Non, c'est tout à fait normal. Je Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Pardon papa, parce qu'il y a des gens ici qui vont douter que c'est toi. Rappelle-le bien ton nom pour qu'ils comprennent ton nom de famille, pour qu'ils sachent. Je donne mon nom. Oui, donne ton nom de famille pour qu'ils sachent qui tu es. Mon nom c'est Sézon Victor. Vous comprenez bien, non? Voilà. Ok, Papa Sézon. Oui, c'est Papa Sézon. Papa Sézon, je vais t'envoyer. Donc, tout à l'heure, tu vas, tu vas me faire la vidéo. Tu vas envoyer, je vais mettre. Et les gens qui veulent faire les dons vont venir vers ben, toi. Si Samuel Eto est venu faire le don vers toi, ça veut dire que n'importe qui sur terre peut venir. Tu comprends, non, papa? Et Samuel Eto, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens qu'on voit ça, comme ça. S'il a envoyé les gens à Bafoussam faire le don pour toi, papa, ça veut dire que hein, lui-même il peut venir et il peut amener des gens encore plus grands pour venir. Tu comprends, non? Que personne ne t'intimide qu'il a lavé les mains sur l'enfant là. Dieu n'a pas lavé les mains sur cet enfant. Tu comprends, non, papa? L'enfant ça salue. Ok. Papa, bonne soirée. Hein? C'est ça mon papa. Ah attends attends attends. Attendez le petit m'appelle là. Le petit m'appelle. Excusez hein. Je vais, je vais vous faire écouter le petit là tout de suite. Cher client, stopons. Je vais je vais vous faire écouter le petit tout de suite là. Allô Cher client, stoppons le coronavirus en respectant toutes les mesures. Alors. Oui alors Laurent, passe-moi un peu l'enfant là. Comme il voulait parler là. Ok, ok, ok. je vous dis qu'il a même fait le don, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tellement moi je voulais juste qu'il s'habille bien, c'est tout. C'est bon, il est là Allô, allô. Oui, allô, ça va allô. Oui, salut tout le monde ici, dis là bonsoir. Bonsoir. Ok, d'accord. Et dis là merci pour tous les dons qu'ils ont fait pour toi. Hein. Oui. dis que merci, je vous dis merci pour tout. Voilà, c'est ça mon petit. hein. Mais il faut être sage à l'école. hein, Parce que que tu te balades trop. L'autre jour, quand on est arrivé au village, tu es cherché. On m'a dit qu'on t'a cherché pendant partout. On t'a pas vu. Tu étais où oui. Tu étais où quand tu as cherché l'autre jour au village Tu étais où oui. tu, fais, tu étais en haut. Toi, hein? tu es dans partout. Tu dis que quoi Tu étais où oui. Ok, d'accord. Comme tu étais en haut, ça va. Mais ne te balade plus trop comme ça. Il faut que tu partes à l'école. hein, Parce que papa et toi, payez ton école. Tu comprends, non Ok, d'accord, c'est bien. On va t'envoyer d'autres dons. Merci. hein. Ok. Vous voyez que je ne suis pas dans votre truc de faux cul que vous faites là. Je ne suis pas dedans. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas dans vos machins là. Vous ne pouvez pas me prendre avec ça. Vous ne pouvez pas me prendre avec ça. Si ma faire tu es un gars que moi je vais te dire, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Tu comprends ce que je vais te dire? va être honnête envers toi. Tu as fait beaucoup de bonnes choses, de bonnes actions. Mais, ce que tu es en train de faire derrière ce petit, tu risques de porter ta malchance. C'est quelqu'un qui est dans le showbiz depuis plus longtemps que toi qui te le dit. Fais très attention. Tu peux porter un, une malchance terrible derrière l'enfant-ci. Si on te laisse avec l'argent des dons-là, je te jure que toi-même tu vas finir en demandant les dons. Sois très intelligent. Cet argent n'est pas ton argent. Vois cet argent dans cette famille. Et tu enlèves tes mains dans la sorcellerie. Ça va te dépasser. Si les gens comme les Eto se déplacent pour aller au village et voir cet enfant. Tu, toi, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es même pas un cafard sous, sous la saussure d'Eto. Réfléchis bien. Ne porte pas la malchance derrière cet enfant. C'est moi qui te dis. Ce papa mérite. Ce papa que tu appelles Soula. Il mérite de manger l'argent qui vient de son enfant n'est pas un agent qui l'a volé. Il a mérité de prendre soin de son enfant depuis qu'il prend soin de son enfant. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas dire que tu l'as avec tes mains sur un enfant sur les qui, sur qui Dieu lui-même a posé ses mains. Je connais le showbiz. Combien dépenser des milliards, des centaines de millions pour se faire connaître dans la musique, mais jamais on ne les connaît. Mais jamais on ne les connaît. Combien dépenser des centaines de millions pour se faire connaître, on ne les connaît pas. Le petit là est dans le village derrière Bafoussam. Il a fait une vidéo sans gérer personne. Ça fait le tour du monde, tout le monde l'adore. Sache que c'est parce que Dieu lui-même a posé les mains sur le petit là. Ne, t'aime pas petit frère. Tu es un petit et je te le dis, ne t'aime pas. Si veux faire tu es un enfant. Tu fais les bonnes choses, mais ne, ne cherche pas la malchance de l'enfant là. Je te dis, ne cherche pas la malchance de l'enfant là, parce qu'il faut que je te dise ça comme tu entends là. Tout ce que tu dois à cet enfant, donne à cet enfant. Toi-même, tu es là comme ça, tu ne sais pas. Tu n'as pas choisi les gens qui devaient donner les dons à cet enfant. Tu comprends bien que c'est Dieu qui fait tout ça. Dieu a touché le cœur des gens comme les étaux. Tu n'es rien. Si aujourd'hui Brenda décide de faire un don pour cet enfant, tu vas venir dire que tu l'as avec tes mains. Tu es qui? Tu es qui Mon frère. Évitez la malchance. Toutes les personnes qui soutiennent cette affaire, qu'on doit utiliser l'enfant pour faire le business, là, éviter la malchance. Et je pense que je pense. Je pense comme ça là. Je pense, je, je, je peux comme ça vous parler à ma soeur du village en patois. Flor de l'île, il faut qu'au jour nous jetons. Je parle ça en patois pour que tu comprennes. Au jour nous jetons. Parce que ça va devenir une autre histoire. Parce que je sais ce qui se passe. Je n'en veux à personne. Hein. Je n'en veux ni à Steve Fah, ni aux gens qui ont passé la journée à m'insulter. Je n'en veux ni à Sibopha, ni à ces gens. Mais je vais vous dire, tout le monde peut se tromper. Mais moi, connaissant le showbiz, ce petit a une étoile pure. Son étoile est pure, son énergie est pure. C'est Dieu qui a posé la main sur le petit là. La puissance du petit là est, est terrible. Tu peux exploiter le petit peu là, tu peux mourir. Moi, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez, je vais vous donner la petite anecdote pour les 100 000 là. Est-ce que vous savez que le petit là, je ne sais même pas ce qu'il a fait qu'il envoie 100 000. Je vois la vidéo du petit là comme ça que je me dit, que gars envoie l'argent au petit là tu ne vois pas qu'il n'est pas bien habillé comme ça spontanément je demande ça sur internet on m'envoie le truc j'envoie l'argent mon frère je connais ce que c'est je suis passé par là mon succès ne venait de personne j'ai mis ma vidéo là bien, c'est combien sur internet c'est devenu le ça fait le tour du monde et vous le savez ça fait le tour du monde et vous le savez c'est comme ça que mon succès est venu depuis ce jour là que tu m'aides ou que tu n'aimes tu ne m'aides pas j'avance quand j'entends quelqu'un dire, je lave mes mains sur un enfant, un enfant que tu disais que tu veux aider, pour une histoire de que, on m'a dit que je ne gère pas les dons. Tu me rappelles les gens qu'on voit souvent au deuil. Ils disent qu'ils ne, ne porte pas le cercueil parce qu'on a dit qu'il ne gèrent pas la quête. Mon frère, mon frère, arrête la sorcellerie. Je vous ai fait écouter aujourd'hui. Je vous ai dit aujourd'hui que le papa là, tout son problème, c'est que si vous pouvez aider son fils, venez essayer d'aider son fils. Appelez le numéro, aidez-le. Laissez les choses que vous voulez, faire le business, vous machin, machin. Faites des propositions. Vous savez ce qui est pertinent de ce petit, c'est qu'il fait rire tout le monde parce que il a, il a un côté comédien de manière spontanée. Même l'industrie du cinéma peut travailler avec lui. Mais travaillez avec le petit là comme il faut. Ne prenez pas les parents là pour des idiots. Tu ne peux pas appeler le papa d'un enfant qui a une déficience mentale qui gère depuis plus de 10 ans sous là. Tu ne peux pas faire de procès d'intention à ce papa. Tu n'as pas l'âge. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas le niveau. Je dis non. Donc je te dis ça. Tu es un gars qui fait des bonnes choses. On a vu les bonnes actions que tu as faites. Tout le monde apprécie les bonnes actions que tu as faites. Toi et moi, on a joué au calme sur le dollar bijou. Toi et moi. Et on jouait dans la même équipe. Toi et moi, si vous voulez faire on jouer dans le calcio de le dollar-bijou, on jouait dans la même équipe. Aujourd'hui, si je te dis que quitte. La sorcellerie, laisse la marchande derrière le petit frère là. Écoute-moi parce que je suis dans le showbiz depuis plus longtemps que toi. Et je connais ce qui peut jeter la tête de quelqu'un au sol. Tu ne peux pas être plus intelligent que Eto. Laisse ce que tu bavardes là. Tu ne peux pas connaître ce qui se passe plus que Eto. Laisse. Et si Eto décide de donner un petit, tu es qui pour dire que tu l'as avec tes mains Tu n'es personne. Prends le don que tu as donné là, tu donnes à l'enfant là, tu quittes. C'est tout ce qu'on te demande. Aidez la famille là, appelez les gérer. N'attendez rien à retour. C'est Dieu qui va vous donner. C'est comme ça que ma vie est. J'ai j'ai. Do... commencé la musique, j'ai dormi à même le sol. J'ai dormi à même le sol. Aujourd'hui, j'emploie plus de 23 personnes au boivement. Les gars, les gars, ne d'aimez pas, ne portez pas la malchance. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Je vous ai fait écouter le papa de l'enfant. Il va vous dire, il vous a donné ses exigences. L'enfant vous a salué. On vous a dit que les fondations comme celle de Samuel et tout sont là actuellement pour donner des dons. Tout ce que vous avez à donner, donner, mais je vais mettre un contact afin, je vais envoyer la vidéo qui vont m'envoyer vers vous. Si vous ne pouvez pas donner, donc faites tourner la vidéo. Partagez simplement la vidéo. Ceux qui peuvent donner, qu'ils appellent, qu'ils donnent. Vous serez heureux demain de vous asseoir vous-même et dire, ah, j'ai appelé le papa de terre, j'ai changé sa vie. Tu es capable de prendre ton téléphone, l'appeler et dire que hey, papa, comment va l'enfant là C'est ça la vie. C'est ça le plaisir qu'on a. On n'attend rien d'autre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir écouté le direct. Steve si faire, il va te dire, je n'ai aucun problème contre toi. On peut se chamailler sur Internet. On peut avoir des malentendus. Mais je vais te dire un truc, je n'ai aucun problème contre toi. Mais, ne fais pas que ça devienne un vrai problème. Je n'ai aucun problème contre toi. Toi et moi, on s'est rencontrés à plusieurs occasions. Et je qu'on comment vous saluer mon ami Dollar Bijou. On s'est rencontrés à plusieurs occasions. On a joué dans la même équipe, toi et moi. Donc comprends ce que je te dis parce que je suis dedans depuis plus longtemps que toi comprends ce que je te dis parce que les grands frères comme les étoiles ont déjà mis les pieds dedans comprends ce que je te dis parce que l'étoile de ce petit est destinée à briller et ne sois pas le gars demain qu'on va voir comme le gars qui voulait empêcher que cette histoire arrive, que son histoire arrive, ce que tu as donné donne et ne regarde pas derrière donne et ne regarde pas derrière et Dieu va te donner toutes les bénédictions on m'a critiqué, on m'a insulté mais tout ce que j'aime moi c'est God qui m'élève, je n'ai rien d'autre tout le monde le sait. Et vous savez qu'elle ne peut pas partir comme ça, vous me connaissez. Donc, il y a une prostituée qui a dit que. Il y a une prostituée qui a dit que. Je que je avec prononce, tu hein. Tu hein Il y a une prostituée qui a dit que si je prononce son nom, elle va envoyer si c'est quoi, 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 elle va faire ceci, elle va finir avec. Les gars, la prostitution, et je tiens encore à le rappeler, la prostitution n'a jamais été un métier accepté par aucune société du monde. Ni des sociétés civiles, ni des sociétés religieuses. Donc, quand nous, les artistes, les stars, les personnes reconnues du showbiz et respectées, parlons, et qu'on est devenus aujourd'hui des personnes sur lesquelles les gens s'identifient pour se construire un avenir, parlons, les prostituées doivent se taire. Les prostituées comme la fille qui parle là, elles doivent se taire. Qu'elle arrête ça. Elle ne peut pas amener nos petites soeurs avant que les fesses pour réussir. Il y a beaucoup de moyens de réussir dans la vie. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Elle-même elle peut encore changer, n'est pas trop tard. Donne ta vie à Jésus, Emilia. <laughs> Donne ta vie à Jésus.